Bismillah ar euh, Karim, amma euh, La dernière fois, nous avons évoqué euh, euh, des périls auxquels euh, l'uma est en permanence exposée. C'est les phénomènes de dissolution euh, qui oblige, euh, qui, euh, qui implique un effort de recomposition. Euh, évidemment, euh, c'est évident, il hein, n'y a pas d'autre euh, choix. Euh, là, c'est le, de, le rôle des gouvernants, euh, c'est le rôle des hommes d'État, de, des chefs d'État, etc., qui euh, président à la destinée euh, de l'Umma. Euh, donc, euh, nous sommes en plein dans un problème de gouvernance. Euh, cette gouvernance, évidemment, euh, dans, un, dans, dans un monde musulman s'inspire, comme on l'a dit plusieurs fois, de, de ses repères, de, de, de son héritage religieux, culturel, euh, scientifique, etc. Euh, le meilleur exemple de, de cette gouvernance euh, quasi-parfaite, c'est euh, la période euh, à laquelle... Euh, à Medine, Medine, Awara, le Prophète a fondé son État prophétique et euh, l'a géré directement sous inspiration divine. Évidemment, euh, euh, tout musulman euh, est appelé à imiter le Prophète C'est la Sunna, la guidance. La guidance de tout musulman, de tout euh, pays musulman, c'est euh, la Sunna. Euh, donc, euh, comment gérer ces problèmes de dissolution et, euh, et d'agression agressi, exogène Parce que les phénomènes de, de dissolution, pour être honnête, elles ont des causes endogènes, donc intérieures, et des causes exogènes qui viennent de l'extérieur. Les causes exogènes, évidemment, sont plus euh, foudroyantes, elles sont plus euh, destructrices, elles sont plus euh, fortes que les phénomènes, euh, les, 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 les causes. Endogènes. Parce que les causes endogènes, on peut très bien les maîtriser euh, et, et remédier. Euh, donc, euh, sur quel plan euh, la gouvernance euh, dans un pays ou dans Musulman ou au niveau de l'Uma euh, entière euh, va se faire Surtout, c'est une euh, c'est une prédilection. Elle va surtout se faire au niveau des systèmes éducatifs, donc du contenu de ces systèmes éducatifs. Les dix systèmes éducatifs doivent évidemment s'adapter à l'époque où l'on vit. C'est la contemporanité, ce n'est pas la modernité, c'est très différent. Il faut être contemporain, c'est-à-dire vivre avec son temps, c'est-à-dire euh, allier l'héritage ancestral les origines, les repères, à l'acquis scientifique et même politique, euh, culturel, social, etc., euh, globalement épistémologique de l'époque où l'on vit. Euh, prendre ce qui nous convient et laisser ce qui ne nous convient pas. C'est ce qu'ont fait les, 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 les premiers musulmans en, euh, en opérant la traduction quasi-intégrale euh, de, de, de l'héritage grec, gréco-romain. Grec, dont euh, l'Europe a profité pour faire sa renaissance. Euh, héritage qui a été conservé, traduit, euh, analysé, développé, euh, euh, discuté hein, euh, durant la période de, de l'Indélus, euh, une civilisation qui a duré quand même huit siècles. Alors, euh, donc, euh, euh, une fois les problèmes de dissolution, les phénomènes de dissolution cernés, il y a les solutions. Mais il faut avoir la, la politique, de, la, la, les moyens de sa politique, c'est-à-dire les solutions doivent avoir euh, l'appui euh, de moyens adéquats. Donc euh, euh, des programmes scolaires adéquats, euh, l'utilisation euh, des, des foyers religieux euh, d'une façon adéquate aussi, parce qu'au début de l'avènement de l'islam, le foyer culturel, de rayonnement culturel, scientifique, c'était la mosquée. La mosquée, elle centralisait tout. Euh, même le, le, le calife ou l'émir, enfin le chef d'État, euh, descendait à la mosquée pour se réunir avec euh, ses citoyens et discuter des problèmes qui se posaient. Évidemment, euh, Amr donc le, le calife ou le chef d'État n'hésitait pas à consulter euh, l'élite, les érudits euh, de son époque. Bon, à notre époque, nous avons quand même des conseils spécialisé comme euh, le, 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 le HCI, le Haut, le, le Haut Conseil islamique, qui émane directement de la présidence et qui a vu passer de, des érudits, euh, Machallah, euh, d'une qualité euh, très rare. Et c'est une institution qui est consultée euh, parallèlement à, au ministère des Affaires religieuses pour justement résoudre les problèmes euh, de dissolution qui... Euh, 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 auquel s'expose l'UMMA, enfin la, la nation. Parce que là, nous sommes à une période où euh, l'État-nation euh, a un petit peu occulté, caché la notion d'UMMA. Et ça, c'est mauvais, hein, parce que l'UMMA, c'est cette communauté supranationale à laquelle s'identifient tous les musulmans, 2 milliards de, de musulmans. En dessous, il y a euh, l'identification politique, c'est-à-dire les États-nations, les petits États-nations, qui euh, eux-mêmes sont formés de régions, donc de cultures similaires mais différentes, et puis il y a le, les, les, les référents identitaires individuels. Donc il y a, il y a une hiérarchie dans euh, euh, le processus identitaire qui doit garder l'islam en tant que référent identitaire le plus haut possible, parce que c'est là l'élément unificateur et c'est là un facteur de force pour résister à ces attaques euh, exogènes qui, qui viennent de l'extérieur. Euh, évidemment, euh, les, les gens qui attaquent l'islam et le monde musulman de l'extérieur, ils savent ce qu'ils font. Ils ont bien étudié l'islam, la civilisation musulmane, et euh, euh, ils savent euh, vers où diriger leurs euh, attaques. Euh, évidemment, ils utilisent euh, des, euh, des catégories sociales locales. Bon, dans le jargon moderne, certains les appellent des résonances, d'autres des, des, des courroies de transmission, d'autres les appellent la cinquième colonne, etc. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont les moyens de leur politique. Donc il faut jouer serré. Et là, on ne peut pas trouver mieux que ces périodes privilégiées comme le mois de jeûne, du jeûne sacré, le mois de ramadan. Parce que c'est un mois. Euh, durant lequel euh, tous les citoyens musulmans se réunissent, se rencontrent, euh, expriment leur générosité les uns envers les autres, euh, se rappellent que euh, la vie de l'au-delà euh, est euh, euh, conditionnée par la vie d'ici bas. La vie d'ici bas n'est qu'un examen pour réussir euh, la vie de l'au-delà, etc. Donc nous avons... Euh, disons, des, euh, disons des, des directions générales. Mais il faut rentrer dans les détails. C'est-à-dire, à partir du moment où les attaques exogènes se basent sur la déconstruction, il faut que nous apprenions à déconstruire la déconstruction. On n'a pas d'autre choix. Donc il faut étudier euh, les formes de déconstruction qu'utilisent les ennemis de cette civilisation, l'islam, et... Euh, leur le opposer le, le, euh, le contraire, leur contraire. Donc il faut euh, dé déconstruire la déconstruction. Euh, évidemment, euh, pour déconstruire la déconstruction, il faut comprendre les processus qu'utilisent euh, ces agents exogènes. Par exemple, euh, euh, nous avons parlé de l'histoire et de son, de, de, de son lien avec la civilisation, l'histoire étant la mémoire des peuples. Nous avons, euh, nous avons aussi évoqué euh, le, euh, les coutumes, les, les cultures euh, desquelles on ne peut pas se détacher. Euh, un Égyptien a sa propre culture, ce n'est pas le, la culture d'un Algérien, évidemment au niveau local, mais ce sont tous des musulmans. Donc un, 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 un gouvernant euh, en Égypte va peut-être euh, gérer le problème d'une façon légèrement différente de celle qu'on utiliserait en Algérie, en Tunisie ou dans un autre pays musulman. Alors, euh, l'une des techniques utilisées, c'est euh, les anachronismes. Parce que notre historiographie, comme on l'a vu précédemment, euh, est faite par des historiographes étrangers. C'est eux qui nous écrivent notre histoire maintenant. Alors, ils l'écrivent comme ils veulent. Ils utilisent euh, à, à profusion hein, l'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'ils sont en train de d'ethniciser la religion. Pour lui enlever cet aspect euh, d'universalité libérateur, ils vont ethniciser la religion, euh, donc euh, créer des, des ethnocentrismes en, à, au sein de l'UMMA. Ils vont utiliser des anachronismes dans leur historiographie. Euh, ils vont utiliser euh, euh, même le nihilisme scientifique. Par exemple, le nier d'emblée comme ça que l'islam est, est une religion factice. Donc, euh, dès le départ, euh, ils sont nihilistes. Ils sont négationnistes et ils construisent toute une théorie. là. Évidemment, euh, ils ont leur caisse de résonance dans le monde musulman. Donc, des gens, des intellectuels qui vont adopter ces façons de penser et, euh, euh, disons, les diffuser, les encourager, les diffuser. C'est de là que vient le danger, le, le, le plus grand danger. Parce que <coughs> ces pseudo-intellectuels, ils sont éparpillés un peu partout dans les institutions et ça demande euh, euh, une grande vigilance, et il faut les contrôler. Nous parlerons de ceci plus euh, la prochaine fois inshallah en attendant euh, je vous dis sahaf euh, bonsoir et merci pour votre patience. Salam alaikum.